Je pousse bien sur les jambes, tête vers l'avant, bras devant, et j'en enchaîne plusieurs comme ça. Et dès qu'on ne peut plus faire de dauphin parce que l'eau est trop haute, hop. Ils ont entre 6 et 15 ans, ils ont la chance de passer leurs vacances sous le soleil de Saint-Malo, mais ils n'ont pas choisi pour autant de ne penser qu'à eux. Chaque après-midi, nos petits sauveteurs viennent apprendre auprès d'Antoine le béaba du métier. L'objectif principal, c'est en fait d'apprendre aux jeunes les techniques de sauvetage, de les amener vers la compétition dans un club de sauvetage affilié à une fédération. Et en même temps, on les prépare à se former pour devenir des futurs nageurs sauveteurs sur les plages du littoral français. Pour devenir sauveteur, il faut être bon nageur et maîtriser donc certaines techniques. Je donne ma bouée pour pas qu'elle m'attrape, donc qu'elle ait sa grippe. Ensuite, je vais la rassurer, je m'approche d'elle. Savoir manipuler la bouée sans se mettre en danger, c'est augmenter les chances de ramener une personne en difficulté. Ce souci de l'autre, cette envie de s'aguerrir pour pourquoi pas sauver des vies, c'est ce qui a motivé les enfants. Quand il y a quelqu'un qui est en difficulté et que personne ne l'aide, je trouve que ça se fait pas et que je veux être la personne qui aide. C'est un peu le métier de mon père. Du coup, il est ambulancier, du coup, j'aime bien et au moins ça fait des vies sauvées en plus. Mets bien la jambe à l'équerre pour plus qu'il puisse bouger. Avec Antoine et les autres moniteurs, les enfants apprennent aussi les gestes qui sauvent et à alerter les secours. Peut-être ce stage fera-t-il naître des vocations. Peut-être un jour, Guillaume, Lilian et les autres veilleront à leur tour sur vos vacances à la plage. Allez, encore, 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 encore. Voilà.